Salut tout le monde, c'est YoYo33, on se retrouve pour le nouveau numéro de En attendant Red Dead Redemption 2, épisode 15. Et on y va de suite pour une nouvelle mission, le César mexicain. Andeles lindas y patrióticas, dale que ustedes son putas y lo saben. Por favor, no me obligas. Oh, mi amor, nadie te está obligando a hacer nada, solamente quiero que animes al hombre que va a salvar a tu padre. ¿Tú quieres a tu padre, cierto que sí, Linda? What's going on here, Captain DeSanta? Just a little recruitment. Nothing for you to be concerned about. You boys using women soldiers now? Our costumes are none of your concern. Apparently not. De Santo Mariconcito! ¿Me encontraste algunas chicas? Ay, mamacita! ¿Dónde has estado toda mi vida? Ven, mujeres! Ay, me gusta! Mr. Patriots were keen to make your acquaintance, y coronel. Fantastic! I love Patriots! Ah, hey, Sergeant Marston! You here to fight the war? At least I'll make a patriot of you yet! I hope so. Any word of those men? Oh, yes! I heard they were riding with Reyes. I wanted to talk to you about it. De Santo, hable con él. Tell him what I wanted. His Excellency, el coronel, would like to employ you in escorting a train down rebel country. The job is dangerous, but you'll have the honor of... Another patriot? Of knowing that you served Mexico in her fight against forces that would destroy our society. How much you offer? 20,000 pesos. And information as to the whereabouts of Javier Escuello. Allez, okay, go. Mexico loves you. Tu me donnes 20,000 pesos. She has a funny way of showing it. Allez, à prendre ou à laisser. On y va. Donc, vu que. Oh, qu'il est dégueulasse! We must go! Aïe 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 aïe. Bon, on veut pas. La dernière épisode, épisode 14, alors on a été où? Ben, on a été du côté de l'ouest. On était à, je crois qu'on était où, je crois qu'on a été à Torquemada, là, un truc comme ça, quoi, dans le genre, bon, c'est bref, hein. Donc, allez, on va continuer la suite, on va monter avec le capitaine abandonné. Vamonos, muchachos. Allez, on y va, muchachos, allez, ya, on y va, super rose. Alors, est-ce qu'il va parler? Oh, looks like it is me and you again, gringo. And there was me, thinking my dance card was full. What do you mean? Just said it's a pleasure to see such a noble patriot at work. Your sarcasm is childish and pathetic. This is an important assignment. Our orders are to deliver these munitions to Chuparosa. They will help to finally crush the rebels. I hate to break it to you, Captain, but I think you're gonna need a lot more than this. I know. Most of the supplies are already in Chuparosa. We will deliver them all by train to our base camp in Diez Coronas. Our forces are close to establishing control in that region. Why didn't DeSanta come with us? Why do you think? Because he is hardly a soldier. I'm sure he has other important business, like mailing letters and sweeping floors and flirting with barmen. He fought with you at Torquemada. Are you defending that pathetic little errand boy? I did not see him fight. Without me, we would have lost the battle. He knows less than nothing on how to lead men. Yet he's the colonel's second in command. That is a good job. You are a funny man, gringo. De Santa licks the colonel's boots and plays with his waiter friend. That is all. I am Allende's brazo derecho, his right arm. I am one of the few men he respects. Is that right? You and him have something special, do you? The colonel needs a maid, a woman he cannot fuck. De Santa is that woman. The battle at Torquemada was hard. Does it seem quiet to you? Oula, I don't know. Pas trop calme, you tell me. We have not seen a single rebel yet. On a plus le trajet là. Donc on est où? Oh, alors on est à peu près. Ouais, on est à peu près trois quarts de la. À peu près un quart de la route. Hein.
rebelles. Oh, ça y est, il y a des rebelles. Ça y est. Oh là là, il y a des rebelles partout. Il y a des rebelles partout là. Tac, tac. Bon. Allez, on y va. Il y en a encore. Il y en a. Allez, on va tirer sur les chevaux aussi. Ça va mieux. Bien. Bon. Good work. I cannot see any more of them. Il ne voit plus aucun. Bon, mais du coup, est-ce qu'on fait quoi? On fasse le trajet ou quoi? I don't know. This doesn't feel right. On a plus le bouton de croix. On va essayer le trajet des escaliers à Barroso. Soldado! Quién eres? ¿Cuál escuadrón? Somos nuevos reclutas, capitán. Es nuestra primera asignación. I knew I had not seen these men before. They are new recruits. Escalera. People have been talking about the rebels planning a large attack. If these supplies are so important, oh là, c'est des rebelles. Why have c'est we la révolution là-bas? Don't ask me. You're the captain. I thought you were supposed to be fearless. I am fearless, but not brainless. There is something wrong. Oh, il y a quelque chose qui cloche. Maybe you just need to take a piss or something. The colonel told me that the Santa had. Allez, c'est parti! Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! I'm getting good at it! Attention, il y a un train aussi qui va passer. Non? C'est bon. Yes, it seems to be on schedule. At least one thing is going right for us. I agree. On va y aller à Chouparosa avant de train. Y'a pas une station là, est-ce qu'elle est rare? You shoot well, gringo. Tell me something. What is your weapon of choice? What do you mean? Que je préfère que je conduise aussi. Your belt is full of weapons. Which is your favorite for attacking a man? We are close to Chuparosa now. I still have a bad feeling about this. Tell me, arrête de dire ça, que t'as... That is a lot of promises. Do you know where Escuela is? You think I am going to tell you that before you have fulfilled your obligations? Do not take me for a fool. Oh là là, d'accord. On va travailler pour lui avant de... On va donner Ravi et Escuela. Il n'y a pas qu'un Ravier, il y a Bill, hein. It is strange you have chosen to work for the army. I'm not working for you. How many times do I have to say this? On arrive à Chuparosa. I ain't seen many favors come my way yet. Abraham Reyes is trying hard to recruit gringos to fight for him. His propaganda is everywhere. He promises women, gold, and of course you come. C'est qui Abraham Reyes? Ouais, on arrive dans le centre-ville. Here we are, at last. Soldados, abordamos el tren. Allez, hop, tous dans le train. Oh, je sens qu'on va tirer dans le train. Moi, je sens bien. Je le sens bien. Allez. On va monter. On va prendre la grosse mitraillette. You recruits can't win a fight like this. I need you to man the Gatling gun. I ain't the soldier here, Captain. Do not question me, gringo. Just do as I say. À vos ordres. C'est le gringo, le mec de Charon. Andale, ojos abiertos. Take your position now. I hope you know how to use that gun. Ça, can't be that hard. Alors, on va faire un pull the trigger. For you, we will all be killed. Bah voilà. C'est ce que je disais.
de ne pas tuer les soldats mexicains. Et c'est ce que j'ai fait. Allez, go. Get behind that gun. I am not taking any chance. Ok, je vais mettre la mitraillasse en route. Hein. Je me prépare. Bon, il y a des munitions aussi, hein, c'est bon. Il y a des munitions inutiles. Hein. Si vous voulez. Bon, allez. Maintenant, on disait des bijoux. Enfin, on mettait des urbains. Ah, on va avoir des urbains. Ah. On peut tirer ici aussi, non ? Allez, on va continuer, on va continuer et qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas d'ennemis ! Bien, mauvais pressentiment. Ah mais tiens, regarde les machins. Allez. Now who is being paranoid? Keep them away from the steam engine. If they kill the engineers, we will only stop them. Des steaks. On va faire des steaks. Regarde. Hop. On va faire des steaks. Bon. Là aussi. Bon. Regardez-moi ça. Bon. On va voir ça. Allez. Hop. Hop. Enfin. Appuyez pour le haut. Les coups. Bon. Allez. Hop. Tac. Voilà, je suis en train de tirer. Alors, hop. Regardez-moi ça. Moi, je prends. Allez. Ah, moi, ça va pas, y'a. Toi, t'es mort. Allez, encore un. Hop. Pan. Oh, je sens que je vais mal, je vais mourir. Non, Laissez-moi en vie. Ah, y'a quoi? Ah.
regardez donc ça. Ah, je sens que je vais faire des bronzes. On est mal. Allez, l'objectif est un peu. Allez, c'est bon, on peut y aller. Bon, ça va, on peut continuer, c'est bon. On est où là? Là, il n'y a plus d'ennemis là. J'ai comme un mauvais pressentiment. Donc, la route. Petit chouchou là. Ah, ça y est. I think that's all on there. We do not have where to go. The base camp is just at the top of the hill. On arrive au campement de la colline. Very well. Whatever I can, they promise you in return, you have earned it. Vous avez... I don't think the Santa expected us. Donc qu'est-ce qu'on a? On arrive jusqu'ici à la destination. Oh, mais c'est come back from this. Y'a du... Did you want to kill him, or should du I? Boulot. No. Till I find Esquela, he's more used to me alive. Les amis, nous arrivons, je suis trop content de l'armée. Nous sommes le dimanche 19... Non, je sais plus combien, le 21 avril, il y a à peu près 2h04 et nous arrivons au moment de base. J'espère que vous avez. Je vous souhaite une très bonne journée et merci d'avoir choisi Rockstar Highway Service de Red Dead Redemption. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Señor Marston, thank you for your efforts. The escort was a success. At least some of your men survived. I didn't think to survive myself. My whole life I have dreamed of a glorious death. Vamos! Rapido antes que nos ataquen otra vez. These socialist pigs cannot be allowed to win. Oula, ça nous parle de socialistes. Ah mais ça c'est bien. Ah mais eh ben dis donc, on a gagné un peu de pognon. Bon ben du coup allez, je jumper. Alors tu nous as suivi hein. Les forces de l'ombre refoulant les deux fois avant vous accoster. Ouais. Ah je suis un peu plus célèbre au Mexique. Ah mais c'est bien. Allez, attends. On arrête, on va aller où? Apparemment il y a doit avoir. Eh ben dis donc, il y a personne. Bon ben, on va aller à Louisa Fortuna. Bon. Et du coup, on va aller faire un peu de cheval. Eh ben dis donc. On suit la voie lactée. Là, nous sommes dans le territoire mexicain et sur la votre droite, nous avons le territoire américain qui sépare en deux par un long canal. Si c'est bien ça, un long canal.
Et bon, je suis la route toute la sainte journée. Eh ben dis donc. On arrête, faut qu'on aille ça exactement. Oh ben, il y a du long de chemin à faire. Oh allez, voilà. C'est bien sympa, mais là j'ai pas de pub. Non, c'est... Dans un instant, c'est la pub. Bon, ça va, joli jumper. Non, je chante mal. Bon. Pardon. Ah, mais du coup, je suis en train de faire une bonne route. Hein. Allez, hop, on tourne à gauche. Pas le temps de payer. Hors diffusion. Oh, monte. Allez, descends, on va aller voir Lulia Fortuna. Qu'est-ce qu'elle veut enfin? Allez, Lulia. T'es loin. Au lieu d'habiter près, non, t'habites hyper loin. Hop, on tourne à droite. Oh! On prend le petit chemin, hein, le virage. Oh, en fait, je suis le GPS. D'habitude, hein, je suis pas le GPS. Hein. Déjà, il y a des loups. Là. Où sont les loups? Ça peut être loups, là. Non. Non, c'est pas grave. On continue. Des routes sinusoïdales, hein. Mais c'est pas grave, on est au Mexique et on arrive en Campo Mirada. Ouais. Hop, on va promener entre 5 heures et 2 heures du matin. Bah, 5 heures AM et 2 heures du matin PM. Eh ben dis donc, n'hésitez pas, tiens, regarde, je vais manger du poulet, hein. En attendant, je vais prendre la plume de poulet, hein. Allez. La plume de poulet. Bon, mais du coup, je vais faire un petit commandement de base. En attendant le prochain épisode. Et ouais. Allez, mais du coup, je vais vous laisser, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, un bon dimanche, et on se retrouve pour le prochain numéro de, en attendant, Red Dead Redemption, épisode 16. Allez, salut!